Bonjour, mon nom est Audrey Prou-Geoffroy, j'habite à Overton en Estrie et je participe à l'exposition collective « Oser la poésie ». Pour moi, l'art a toujours été un grand passe-temps, mais comme plusieurs, j'ai une vie très chargée. C'est donc au travers du travail, des études et de la familiale que j'essaie toujours de me trouver un petit temps pour pouvoir créer. Jusqu'à tout récemment, je me contentais d'empiler mes toiles dans un coin de la maison, mais l'année dernière, à la suite des encouragements de mon entourage, j'ai finalement accepté d'afficher mes toiles dans la boutique Fleurisse Richemont. Après ça, je me suis décidée à participer à ma toute première exposition collective sous le thème « D'oser la poésie ». Évidemment, dans le cadre de cette exposition, il fallait s'inspirer d'un poème pour créer nos œuvres. Comme les animaux sont ma principale source d'inspiration, mon choix s'est arrêté sur un poème du Québécois Claudel qui se lit comme suit. L'oiseau des neiges. Un nuage de neige enveloppait sa chair, ailée de flocons blancs hauts du vert argenté. Ses plumes au soleil rayonnaient d'un éclair, comme une flamme bleue d'un orage en été. Surveillant au-delà la nation irréelle, son regard infini et son bel œil doré, comme un garde, un vigile ou une sentinelle, faisant le guet zélé du veilleur rassuré. Emblème aviaire d'un grand pays sans nom, qui de ces longs canons répondit deux fois non? Toi, arfan du Grand Nord, ravissante chouette, porteras-tu ce noble halo sur ton aigrette? C'est donc à partir de ce poème que j'ai créé quatre toiles que je vous invite à aller voir, en plus de nombreuses autres œuvres magnifiques, à la galerie MP Trésor.